الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. كما تعلمون أن المؤمن أعطي بصيرة ويسعى جاهدا أن يجتنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. شافخا ومصابيه que le croyant, Atiya Basira, et aussi il fait tout pour ne pas être dans les troubles. Quand il y a les troubles, il fait tout pour s'en éloigner. Il ne rentre pas dedans. Lakin al-mu'sif, أن الكثير من الشباب وخاصة هنا في فرنسا أو غيرها سعوا في هذه الفتن وتلذذوا بها وأصبحوا يقتاتون من الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. Malheureusement, certains jeunes ici en France ou ailleurs, quand il y a le fitan, il y a les troubles, يتلذذون, ils prennent goût, يقتاتون منها, ils se nourrissent de al-fitan, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Idan hina al-wuqu' aw hina wuqu' al-fitan, quand il y a les troubles, lil muslimi mawqifayn, lil muslimi mawqifayn, lil muslimi mawqifayn la thalith lahuma. Quand il y a les troubles, le musulman, ça veut dire que il y a deux chemins à suivre. Ou il va l'éviter, il va s'en éloigner, il fait tout pour la détruire. C'est comme ça qu'il devrait se comporter chaque croyant, chaque musulman avec les troubles. Ou sinon on patiente. Parce que ces troubles, ils nous touchent. Dans ce cas-là, on va patienter. Le deuxième chemin, le fait de se précipiter vers ces troubles. L'affronter. فمما لا يصير إليه إلا جاهل متسرع أو منافق ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et celui qui va faire ça, الجاهل, l'ignorant, أو منافق, l'hypocrite, ولا حول ولا قوة إلا بالله. C'est pour ça qu'on dit que l'époque des troubles, on ne réagit pas avec notre passion. On ne réagit pas avec notre passion. نعم. ولكن أصول عميقة وصول عميقة يمده الكتاب والسنة ويضبطه هدي سلف الأمة. رجل الله نحكم الشرع في ذلك ونسسومي القرآن إلى السنة جب خفات عليه الصلاة والسلام. نعم. والحرص على الحفاظ على قلوبنا نؤسي ومخزر نوكور حتى لا تتلوث بهذه الفتن pour qu'elle ne se pollue pas avec ces fitan, ces troubles. نعم. ونجتنب ما يثير الفرقة. On évite toute chose qui va vers la division. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مؤتمرين بأمر الله جل وعلا. On applique l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى. حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. On doit tous s'accrocher au câble d'Allah Azza wa Jal. Et le câble d'Allah Azza wa Jal, c'est dino, sa religion. Voilà un tafarra. Et on ne se divise pas, on ne se disperse pas. Naam. Lida tajid al-mu'min alladhi yattaqi rabbahu jalla wa ala. C'est pour ça que tu vois le croyant qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yassiru ala hada al-minwan. Hada huwa tariquh. C'est celui-là. Son chemin. Mumtathilan.
للتوجيه الرباني في ذلك. نعم، يقول تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم، وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، سان يحرص على العدل. حتى يلي تخوب لي فؤاد جيست، بارك الله فيك. نعم، في الآونة الأخيرة كما تعلمون هناك فتنة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dernièrement, on a entendu des troubles énormes. هذه الفتنة تتعلق بالشيخ عبد الهادي. Et ces troubles-là concernaient Cheikh Abdel Hadi. J'ai pris connaissance de ça par des jeunes. ولكن كنت أظن بأنها سوف تمر. Et je pensais que ça allait, كسائر الفتن, comme les autres troubles, elle va passer. نعم. ولكن هذه الفتنة, تعدت الحدود. Ce trouble-là, il a dépassé la limite. فأصبح الكلام عن الأعراض والترويج لبعض الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. Là, on a commencé à parler de l'honneur. On a commencé aussi à propager d'autres choses. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا الذي أقوله صراحة، أنا لم أتدخل في البداية. Au début, j'ai pas voulu me mêler. لماذا؟ Parce que même moi, par le passé, j'ai souffert avec ces gens-là. Surtout ici en France. Ceux qui propagent les calomnies, ceux qui détournent les vérités, ils les envoient aux savants. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert parce qu'il y a certains gens qui ont détourné les vérités, etc. Même si on avait commis des erreurs, le conseil n'est pas de cette façon-là. وخاصة إذا كان الرجل عرف بسلامة المنهج وصحة المعتقد. Surtout si la personne elle est connue par son bon manhaj et sa bonne croyance. C'est pas de cette façon là. نحن نستر ولا نفضح. Nous on dévoile pas. لكن ننصح. Mais on conseille سرا en secret. بارك الله فيك. Je vous cache pas. Si j'ai pas voulu me mêler au début, parce que j'avais peur que ça se reproduise comme les autres années. Ça veut dire que j'aurais le même problème avec ces gens-là. Il fallait à chaque fois se justifier, etc., etc., etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Et pendant cette période, même ça m'est arrivé de tomber malade à cause de ce que j'entends. Parce que ce que j'entendais, ma kuntu asma'uhu kana mukhalif lil haqiqa. Ce que j'entendais, c'était à l'inverse de la vérité. Et on patientait. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wasbir, wa ma sabruka illa billah. ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم. نعم، وقال تعالى: وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. نعم، ومن أعظم الصبر على النفوس أوقات الفتن. La patience la plus importante c'est quand il y a les troubles, on doit patienter, on doit s'affirmer. وأنا أقولها صراحة، moi je le dis clairement، moi j'ai plus l'âge que j'avais avant. يعني أنا الآن تقدمت في السن. Là maintenant je suis plus âgé. وأيضا et aussi on a plus de responsabilités. Depuis ces troubles, ces dernières troubles,
je fais tout pour que je sois caché. Je fais tout pour que je sois caché. Je fais mes discours à la mosquée et je rentre chez moi. La azid andalika abadan. Je rajoute pas. Même il y a certains frères de certaines villes, ils m'ont invité à faire des conférences. Farafat, je refusais. Limada, khashiyatan min al-fitan, par peur des troubles. Mais ce qui est en train d'arriver en ce moment, hada la yuqirruhu aqlun wa la yuqirruhu shara. La yuqirruhu aql wa la shara. C'est en contradiction avec notre religion. Lida ana ansaha ula an yattaqullah. Je dis à ceux-là, ayez la crainte d'Allah azza wa jalla. Si vous avez quelque chose, allez-y voir la personne concernée et parlez avec lui. Baynaka baynakum wa baynahu, entre vous. Amma hadha at-tashhir fala barakallahu fik. Amma al-kalam al-a'rad fala. Parler de l'honneur, non. At-tashhir, propager, non. Al-muslim ala al-muslim haram. Demo, ma aluhu 'irdhu. C'est interdit de parler de l'honneur de quelqu'un. Wa ma baluka idha kana c'est interdit de parler de l'honneur. Et si cette personne que vous parlez de lui, c'est quelqu'un de science, ça devient encore plus grave. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'am. فننصحهم هذه النصيحة ونقول لهم سوف تلقون ربكم جل وعلا يوم القيامة وسائلكم. Vous avez des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. يوم القيامة. Et ces troubles-là, هذه لا تفيد في شيء بارك الله فيك. ولكن تضر. Mais ces troubles-là, elle n'a aucun intérêt, elle n'a aucun bienfait. Par contre, elle fait plus de mal que autre chose. Elle fait plus de mal que autre chose. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. والحديث متفق عليه. نعم. فوات عيسى السلام nous a mis en garde contre ces troubles qui vont venir. Et on est en train de les vivre. Surtout, on vit dans un pays de mécréants. Quand on vit dans un pays de mécréants, de perversité, là on voit à travers, on voit que certains frères, qu'Allah les guide, ils n'ont pas le bon comportement. Que certains frères, pour eux, le manhaj salafi, c'est un passe-temps. C'est une mode. On voit des gens pratiquer après repartir. Des gens repartir. Ils jouent. Ils font leur trouble pendant 2 ans, 3 ans. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Mais ils laissent leur trace. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ceux qui viennent après, ils vont suivre le même chemin que ceux-là. Et ce qu'on voit maintenant. Moi, j'en ai connu pas mal de gens, pas mal de jeunes. Ils étaient avec nous. Ils montraient qu'ils étaient bien, etc. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont tout laissé. Ils ne pratiquent plus, ils ne font plus la prière. إلى غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه الحقيقة المرة تصل la vérité en mer. هذه الحقيقة المرة. Ici en France ils apprennent pas la science. Ici en France ils sont pas assidus aux assises pour qu'ils apprennent le comportement pour que إلى غير ذلك لا يدرسون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. Ils lisent pas la سيرة du prophète عليه الصلاة والسلام إلا من رحم ربي وقيمهم. Sauf le peu. Sauf le peu حفظكم الله. C'est pour ça qu'on a commencé à se préserver. Moi personnellement je me préserve surtout depuis la mort de mon père. Le mois de fin décembre. Après, j'avais fait les allers-retours en Algérie, tout ça. Après, j'ai eu quelques complications, etc. Donc, alhamdoulilah, maintenant, on essaye de se retirer. Mais malheureusement, quand on a essayé de se préserver, même quand il y avait des gens qui venaient me voir, ils me parlaient de cette fitna, wallahi, kuntu ansahum. Wallahi, je les conseille. Je les conseille lors du taqillah. Taqullah. La tadkhulou fiha. Ne rentrez pas. Si vous connaissez ces personnes, conseillez-les. Dis-leur qu'ils aient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman. Daiman, wallahi, daiman. Tout le temps, subhanallah al-azim. Je leur disais ça. Même quand même avec ça, quand ils ont vu que je ne suis pas rentré dedans, wa la hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils ont dit non, Abu Islam, il est dedans. La hawla wa la quwwata illa billah, taqullah. Et la crainte d'Allah azza wa jal. Vous parlez de quoi? Vous croyez que je suis un jeune qui a 20 ans, ou la 18 ans, ou la 17 ans comme vous? Moi, j'ai dépassé la quarantaine.
J'ai dépassé la quarantaine. Et j'ai même pas du temps pour moi. Je fais des discours, je m'occupe de mes 5 enfants et tout ça. J'ai même pas une minute pour moi. Vous croyez que je passe mon temps sur Internet? Là, wallahi. L'Internet, c'est rare où je rentre dedans. Même quand je rentre, c'est juste pour écrire un article, de le faire entrer sur le site. On a commencé à entendre ça. Ils veulent faire entrer tout le monde dans le trouble. Et moi, je le dis pour que ça soit clair. Alors, Allah, j'ai aucun intérêt. Et aussi, j'ai aucun lien avec ce qui est en train de se passer. À part que je conseille les gens qui viennent me voir. Et aussi, je me mets à la place de Cheikh Abdel Hadi, parce que moi, je suis passé par là. Je me mets à la place qu'il est pas bien, etc. Mais on lui dit, on est avec toi, Inch'Allah, bi'idnillah jalla wa'ala. Ce qu'on peut faire, on le fait. Comme je l'ai défendu par le passé, je le défendrai maintenant. Et moi, c'est pas mon chemin de critiquer soit les prêcheurs salafis ou là les frères salafis, barakallahu fik. La preuve, vous venez à ma mosquée, Cheikh Rabia, et vous allez voir, on n'a aucune trouble, alhamdulillah. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de trouble. Yani, dès que le fitna elle commence, on essaye de la couper. Na'am, barakallahu fik. Ces gens-là, ils devraient avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal, qu'ils n'essayent pas de rentrer d'autres. Parce que je sais ce qu'ils cherchent maintenant. Ils cherchent à me faire rentrer dedans pour qu'il y ait un autre conflit avec Cheikh Abdel Hadi. J'ai entendu ça dernièrement, malheureusement. Il y a certains gens qui disaient que Abu Islam, il démarre au quart de tour, etc. Hein? Comme ça, ça fait une... La hawla wa la quwwata illa billah. On leur dit, la crainte d'Allah Azza wa Jal, même moi, s'il parle, Cheikh Abdel Hadi, wallahi, je réplique même pas et je réponds même pas. Pourquoi? Déjà parce que il est âgé, il est plus âgé que moi. Et aussi, aïdan, l'anani ahtarimo, parce que je le respecte, barakallahu fik, wa arifu afdal minkum. Je le connais mieux que tout le monde, barakallahu fik, et notre relation, elle est bien, alhamdulillah. J'espère qu'elle continuera comme ça. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.